Le championnat du monde jeune, c'est un championnat qui regroupe les moins de 19 ans de 67 pays. Voilà, il regroupe les 5 séries ISAF, le dériveur solitaire, dériveur double, catamaran, planche à voile. Et aussi, on a le dériveur performance qui est un skiff, un 29er. La délégation, elle alterne de la jeunesse et de l'expérience. Il y a des jeunes qui arrivent à maturité, hein, qui ont 18 ans, et puis il y a des jeunes qui ont 16-17 ans. Donc, ça va être leur première expérience. L'objectif, bien évidemment, c'est de viser le plus haut. Certains sont leaders dans leur catégorie. On va tout faire, ils vont tout faire pour être sur la boxe, hein, sur la boîte. Les entraîneurs, c'est 3 entraîneurs, en tout cas 2, qui ont de l'expérience. Hein. Donc Philippe Boudgour, le plus expérimenté d'entre nous, puisqu'il a déjà fait, je crois, pas loin de 7 ou 8 fois le mondial ISAF. Fabien, ça va être sa deuxième participation. Fabien Cadet, qui est le responsable des windsurf. Philippe étant responsable des doubles. Et puis donc moi, c'est ma 4e participation où je participe donc sur le suivi des lasers et puis des 29ers. Le stage, c'est un stage de préparation. C'est un stage qui contribue à préparer les sportifs et l'encadrement qui est présent sur le site aux spécificités de Sanya, donc la Saturnia à Sanya en Chine, avec donc justement toutes les caractéristiques de la vie de course, la préparation du matériel, la logistique, l'étude de plans d'eau, et puis aussi faire de la cohésion, parce que bien évidemment, l'objectif, c'est aussi que tout le monde puisse s'entraider, qu'il y ait des qualités, des compétences, et tous ces jeunes-là, ils puissent bien se connaître pour s'entraider et se tirer vers le haut pour avoir la meilleure performance possible là-bas sur place.